les bâtiments qui nous intéressent aujourd'hui, c'est deux bâtiments de 2000 m² en plancher chauffant qui ont été opérationnels en mars 2014. En production, on est essentiellement sur du poulet lourd. Donc ces bâtiments ont été construits avec un plancher chauffant, avec de l'aquathermie qui n'était pas prévu au départ. Donc en ce qui concerne le plancher chauffant, nous fonctionnons ici avec des pompes à chaleur en aquathermie. Donc nous récupérons l'eau de deux puits artésiens qui arrivent environ à 12 degrés. Nous prenons 6 degrés sur cette eau qui est rejetée dans un autre puits artésien. Nous avons fonctionné sur ce site pendant 2 ans que en aquathermie, mais nous étions obligés de monter l'eau de départ qui était au-dessus de 40. Quand l'eau est au-dessus de 40, les coppes de l'aquathermie sont en dessous de 3. Donc nous avons changé un petit peu notre fusil d'épaule et nous avons rajouté 2 aérothermes dans chaque bâtiment au gaz. Ces 2 aérothermes nous permettent d'être plus réactifs et de chauffer l'eau par l'aquathermique à 38 degrés qui nous permet d'avoir un COP à 6. Bah, depuis que je maîtrise le bâtiment correctement, nous dépassons rarement les 5% de pododermatite, ce qui nous permet d'avoir des résultats techniques tout à fait correct. Surtout depuis que nous avons installé 2 aérothermes qui nous permettent de mettre une température mini avec le plancher chauffant et le reste est régulé par le gaz. Donc les températures d'eau depuis 2 ans, je fonctionne avec une température d'eau en 30 à 38 degrés et elle ressort entre 5 et 7 degrés en moins, donc entre 31 et 32 degrés.